Bienvenue dans cette vidéo de présentation d'une toute nouvelle transmission de 4 jours qu'on va vivre ensemble dans la semaine du 27 au 30 septembre en direct. Alors cette transmission sera une superbe expérience, ce sera comme un accompagnement de type coaching de groupe où on aura la possibilité d'échanger tous ensemble durant les directs grâce à votre participation. Alors l'objectif de cette transmission, c'est de vous mettre le pied à l'étrier et de vous guider sur le début d'un changement de mode de vie pour commencer à vous nourrir de façon ultra lumineuse et vibratoire grâce aux plantes sauvages. Alors pour commencer à intégrer rapidement et facilement les plantes sauvages dans votre vie et à en ressentir les bienfaits. Alors vous allez avoir des solutions pour mettre en place des actions afin de vous nourrir de plantes sauvages de façon quotidienne si tel est votre désir. Si les plantes ont encore des secrets pour vous, cette transmission vous fera également découvrir et ressentir quelles sont des sources intarissables pour générer la santé humaine, et cela de façon simple. Si les plantes sauvages vous intéressent mais vous font encore parfois peur, cette transmission s'adresse à vous. Alors, à l'issue de cette transmission, vous pourrez rapidement intégrer les plantes dans votre alimentation et en ressentir les bienfaits sur le triptyque corps, âme et esprit. Alors, ça va se passer en peu de temps sur des directs en ligne d'environ une demi-heure que vous suivrez à la maison ou dans la nature. Le besoin sera juste d'avoir une bonne connexion Internet. Alors, le but de ce chemin sera de suivre une fois par jour un direct pendant 4 jours que je donnerai tous les soirs à 19h. Donc, chaque soir est une étape différente mais essentielle pour mieux comprendre et appliquer concrètement les plantes et les intégrer dans sa vie. Le menu de ces 4 jours, alors au premier jour, le lundi, on va tout de suite lever les barrières et les craintes des plantes toxiques. Elles ne sont pas si nombreuses, aussi certaines réputées toxiques peuvent également être utiles. Je vous partagerai mes techniques et astuces de cueilleurs connectés au vivant. Le deuxième jour, donc, qui sera le mardi, les parasites et les pollutions que vous pourriez rencontrer et comment les éviter. Les parasites et pollutions sont souvent la deuxième cause de peur. On verra qu'avec des gestes simples, cela permet d'éviter les contaminations éventuelles et pouvoir se rassurer sur ce point-là. Troisième jour, le mercredi, gérer vos cueillettes et les ressources de l'environnement. Alors cueillir, c'est bien, mais ça se fait de façon consciente et dans le respect du vivant, pour être en phase avec la nature, mais aussi avec nous-mêmes. Ensuite, il y aura le quatrième jour, le dernier jour, le jeudi, on sera dans la nature et je vous montrerai comment se connecter à son ressenti et aux plantes de façon concrète, suivie d'une séance de questions-réponses. Donc, à la fin de cette transmission de 4 jours, j'offrirai aux personnes présentes un plan d'action immédiat ainsi qu'un outil pour que vous intégriez immédiatement 20 plantes, les 20 plantes les plus puissantes énergétiquement et vibratoirement que j'ai recensées, et qui pourront être mises en place au quotidien avec sérénité et certitude. En suivant ces 4 journées, vous obtiendrez les clés pour voir plus grand et éveiller votre envie d'aller plus loin afin que les plantes s'intègrent dans votre mode de vie sans faire des changements radicaux. Alors voilà pour le programme. Au cours de cette transmission, je vais vous apporter beaucoup de solutions, des astuces, mais également de la valeur et tout cela gratuitement. C'est complet, ça m'a demandé beaucoup de travail, je suis certain que cela va vous plaire et surtout vous aider à cheminer avec les plantes. Donc je vous demande s'il vous plaît de partager l'information autour de vous, d'inviter des amis dans le groupe avec le lien ci-dessous, en dessous de la vidéo, afin qu'ils participent également à cette transmission pour transmettre les connaissances oubliées, mais aussi lever les barrières de la peur et d'être un monde rayonnant, vivant et vibrant qui partage sans esprit de compétition, de profit, mais qui se relie à ses besoins essentiels en devenant chacun et chacune son propre thérapeute. À bientôt.